He will oh with no mm, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Euh, bonsoir, comment... bonjour. Comment se passe ce petit week-end bim. bim, check bim, du coude. Bim. Comment ça va, Alex Bon, ça va bien, écoute. Ça va plutôt bien. Enfin. Les playoffs suivent leur cours. 2 et 2 font 4, ouais. le soleil se lève à l'est, le et de retour en finale voilà, nuillée. Exactement. On s'installe Pénard en vous faisant la bise, passez un bon dimanche soir ensemble, c'est avec un petit live pour parler de tout et de rien. On va faire de la philosophie de comptoir, et on va aussi parler de basket. Euh, on en discutait ensemble, on s'est dit bah attends, on va quand même peut-être faire un petit point déjà sur les Lakers qui vont en finale. Et par la suite, pour ceux qui le veulent, euh, nous serons à partir de 19h30 sur la série de l'Est dont le match 6 est cette nuit à ah, 1h30. Exactement, Boston-Miami, donc tous les gens qui sont fans d'équipe à l'Est, vous pouvez rester si vous voulez. Attention, mm -hmm. on va surtout être sur du jaune mm -hmm. et violet. On va avoir un peu de bleu et de blanc aussi, hein. là, on va parler aussi de Denver. Ouais, grave bien quand sûr, même, on va parler de Denver. Mais avant ça, on va donc se poser sur les Lakers. Ça y est, c'est officiel. Au-delà de la bise qu'on fait évidemment à Léon, c'est tous les gens qui sont avec nous. Euh, les Lakers sont de retour en finale NBA. Dix ans plus tard. Dernière finale NBA 2010, c'était contre les Celtics. C'est ça, victoire en, en 7 si je dis pas de bêtises. Tout à fait, drôle d'époque, hein. Ron Artest très clutch. Ron Artest clutch, Pogazol euh, bien bien lourd, bien bien lourd. Euh, Kobe MVP des finales. La euh, bien dans ses pompes. Exactement, impeccable. C'était c'était la belle époque. C'était une autre époque tout La belle tout époque à fait. des Lakers, Et là. Il semblerait que oula, oula c'est ma fesse. Il <laughs> semblerait que ça puisse revenir. C'est ça, ça revient. Les Lakers sont à nouveau sur le toit. Peut-être de la NBA, déjà c'est sur déjà le choix de la conférence de ouest. Exactement. Premier de saison régulière. Et après, ça a déroulé sur les playoffs. On va revenir un petit peu sur le parcours. Parce qu'évidemment là, euh, en termes de timing, on a surtout la série qui se termine contre Denver. Mais c'est l'occasion là aussi, avant le match 1 des finales NBA qui a lieu mercredi, de faire un petit point sur mm -hmm. ce qu'on voit collectivement, individuellement. Le garçon qui est notamment euh, en bas à droite euh, n'a pas été trop trop mauvais, si je ne dis pas de bêtises. Ça va. Enfin, en tout cas, là, il a été... Euh... Plutôt correct. Hein Il a répondu présent. Bientôt 36 ans, 38 points. Voilà. C'est le genre de tarif proposé par LeBron, évidemment. Et donc, on va parler tout de suite de nos amis les Lakers. Alors, sur le match d'hier, on va un petit peu faire dans ce sens-là. Le match d'hier, puis la série Denver et même le parcours au global. Le match d'hier, donc, on avait vu 3-1 euh, avec les punchlines qui suivaient. On se disait, est-ce que Denver va nous faire la passe 2 3, ils vont encore revenir après avoir battu Utah et les Clippers. Et là... Cette fois, il n'y a vraiment pas d'erreur de la part des Lakers. Ils ont assez tôt pris les commandes du match et ça a déroulé quand même. Ouais, et ils ont exactement, c'est ça. Ils n'ont pas trop laissé... On, sait, on savait avec les deux séries précédentes que le risque avec cette équipe de Denver, c'était de les laisser se remettre dans la série, de les laisser reprendre confiance. Oui. C'est l'erreur qu'a fait le jazz dans une moindre mesure, parce que je reste persuadé que... Denver était quand même supérieur au jazz pour moi à la base. Mm -hmm. C'est la grosse erreur qu'ont fait les Clippers. Clairement, je pense qu'on en a parlé en long et en large. Et c'est une erreur que les Lakers de Bron Bron, AD, Rondo, hein, Snoop Dogg. Je, je cite ces trois-là et Snoop Dogg évidemment. Euh, et Caruso, évidemment, euh, c'est l'erreur qu'ils n'ont pas faite. Euh, il y a eu le troisième quart où il y a quand même genre jusqu'à plus 16, je crois, pour les Lakers. Mm -hmm. Et là, Denver se met en route tout d'un coup. Là. Bah ouais, le comeback. Et je crois c'est Jérémy Grant. Qui... Ah oui. Donc, Jérémy Grant dans le troisième quart la nuit dernière. Scotty Pippen. Ouais, c'est ça, c'est Scotty Pippen. Scotty Pippen avec le shoot de Ray Allen. Confiance totale ouais. à 3 points, exactement. <laughs> avec de la bonne défense côté athlétique, drive-line de fond. Et ça revient, ça recolle pas mal. Du coup, dans le début du, du quatrième quart, il y a vraiment un Denver qui est là, qui est en position. Et puis, dans la deuxième moitié là, du quatrième quart, Lebron, il a fait non, 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 non. La fermeture ta, de ta, porte. Ta, 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 ta. Je suis le patron. Ouais, ouais, non, non, il n'y a pas de scénar. Je suis le patron et je vais vous montrer qu'en fait, là, on est à un bout d'orteil d'aller en finale NBA. Les grands garçons terminent le voilà business. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Genre, euh, merci Heidi pour le shoot au buzzer du Game 2. Merci. Merci, euh, merci Rondo pour ta série. Merci. On va en parler, mais la série de Rondo. Merci Dwight. Merci Rondo. Oh putain, les ajustements de Vogel aussi. Merci Vogel, parce eh que oui. Dwight sur Jokic, titulaire, tout ça, c'était pas con. D'ailleurs, c'est assez... Ouais. Enfin, mais à un moment donné, quand les mecs perdent, on défonce les patrons. Quand le patron fait le taf et qu'il nous met, donc si je dis pas de conneries, 16 points dans le quatrième quart dont neuf de suite avec les deux drives, boom derrière le trois points, c'est une attaque de merde hein, le trois points, c'est une attaque foirée et tout, il se retrouve, il a pu son dribble et tout, boom trois points. Voilà le, le daron, le patron, le roi de la NBA a fait le taf ça. et du coup les Nuggets n'ont pas pu euh, recoller comme ils auraient voulu, ils ont même pas pu avoir un money time, je veux dire les trois quatre dernières minutes vraiment serrées. Mm -hmm. Voilà les Lakers se sont mis euh, dans la position qu'il fallait et ils ont ça. fini la série en 5 donc on va revenir sur leur série, mais déjà premier constat, gros avantage, bah la cheville d'Eddy là il a au moins 3-4 jours pour se, re, pour se remettre un petit peu mm -hmm. Brombron, son vieux corps, bah pareil il a quelques jours pour s'en remettre même, ça. même les Danny Green, les Rondo qui sont bien plus ça. de première jeunesse, je pense que ils sont bien contents Dwight et ah, tout, c'était l'objectif c'était l'objectif, t'as un Game 5 tu te dis, euh, tiens c'est marrant, si on termine ce soir, on peut quand même avoir samedi soir dimanche, lundi, mardi et mercredi pour se recharger vraiment les batteries en espérant, côté Lakers, que la série de Boston Miami dont on parlera tout à l'heure ira jusqu'au Game 7 parce que plus épuises les les corps mieux c'est c'est clair c'est vraiment très géré ouais de la part des Lakers tu sentais qu'ils étaient en mission et, et tu en parlais là vis-à-vis -vis des, des Clippers évidemment il y a toujours euh, cette rivalité et ces punchings envoyés de droite et de gauche il y avait le clair sentiment et l'envie de la part des Lakers de montrer que non nous les gars quand on mène 3-1 on ferme ouais on ferme la boutique il y a pas il y a, voilà il y a pas de c'est vraiment là c'est vraiment ce que disent la plupart des, des grands joueurs hein. on a vu ça avec LeBron ou avec Jordan ou avec d'autres gars ah, Jordan il faisait ça très très bien aussi hein. c'est ça c'est en fait c'est je crois que la phrase qui il sortait, c'est. Personne. C'est ça. <laughs> quand, quand euh, la phrase qui était sortie, je ne sais plus si c'était de Jordan ou de LeBron, mais en tout cas, c'était. Je sais que moi, quand il y a 3-1, hein, la série est terminée. Ouais. Ah. Tu, tu sais que à ce moment-là, bon bah, si tu laisses à LeBron l'opportunité en 48 minutes de terminer le deal, il le fait. Quoi. Exactement. Et et euh, ça reflète un peu ce qu'ils font depuis le début de ces playoffs, c'est-à-dire que les Blazers, ça perd le game one, derrière, ça déroule quatre victoires. Avec un très très gros Eddie qui a mis la race à la raquette de, des Blazers et un Lebron qui était plus en mode je distribue. Enfin, il a scoré. Hein. Il a 27 points par match contre les Blazers, donc ça va. Mais il y a 10 passes aussi. Il y a 10 rebonds. D'ailleurs, au passage, il est en triple double hein, sur la série contre les Blazers, Lebron. Okay, et Eddie, lui, euh, il est à presque 30 points avec 9 rebonds. Donc, tu vois, vraiment, ils ont vraiment complètement explosé ouais. les Blazers. Ensuite, il y a cette série contre les Rockets. C'est un peu le même déroulé. C'est-à-dire qu'ils perdent le premier match. Mais tu juste, bah, un à une équipe bien en route et tout. Derrière, tu t'ajustes. Heidi leur a fait très très mal. Lebron a fait très très mal là aussi. En... Et là, il y a aussi l'apparition de Rondo qui débarque dans les playoffs. Tout à le fait. Rondo, il n'est pas là contre les Blazers. Ah non, 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 pas bien, de sûr, bien sûr. Ouais, ouais, pas là, bon, en tout cas, le retour de Rondo, il s'est vraiment officiellement euh, en demi-finale et c'est vrai que son impact est très 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 positif ah, complètement contre les Rockets il a eu un vrai impact qu'on a retrouvé d'ailleurs dans cette série contre les Nuggets où AD ouais. a été très très dominant au scoring je sais pas il est à plus de 30 points par match hein, là dans cette je série vois. face aux Nuggets AD je avec un gros buzz beater hein, on en a suffisamment parlé euh, voilà c'était énorme euh, et Lebron euh, qui a vraiment fait une, une très très grosse série également et là il nous fait une bonne je que j'appellerai une bonne fin de match dans le sens où au game 4 euh, offensivement il se chie un peu comme au game 3 un peu comme au game 2 et tout tu vois où je... on avait des moments de tout on se dit merde, on disait merde ah, lebron il... tiens, et tout ouais. mais il a pris Jamal Murray en défense tout ça mmh. il a fait la bonne faute sur le lay-up qu'il fallait tout ça pas siffler nan, 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 bien pas sûr un... non, je dis ça c'est la team c'est ma team ref la team euh, la team ref la team des arbitres euh, et après là au game 5 bah qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire bah C'est le, le match du daron quoi. Parlons de LeBron, puisque en effet, tu le disais là sur le parcours collectif des, des Lakers, sur les playoffs, il n'y a pas grand chose à dire. Tu sens que le recrutement a été fait. Autant l'année dernière, il y avait un recrutement où on ne savait pas quel jeune allait pouvoir coller avec LeBron. Autant là, on savait qu'il y avait des darons autour. Et tous les soirs, quelle que soit la série, on avait le bon ajustement pour le, pour le maillot jaune. Quoi qu'il arrive. On n'était plus dans ces questions d'individualité qu'on a pu voir avec Dwight ou avec Rondo ou avec d'autres personnages comme ça. Là, c'était vraiment OK, qu'est-ce qu'on doit faire comme ajustement pour ouais. aller remporter ce titre Dans euh, évidemment ce qu'on sait, qu'il y a une année particulière pour les Lakers, hein, hashtag Kobe. Donc, euh, Et particulière pour la NBA de eh manière oui. globale, parce qu'on est quand même dans une bulle, il n'y a pas de spectateurs. Eh bien sûr. Les matchs s'enchaînent à une vitesse hallucinante. Ouais, bien sûr. Il sûr. Enfin, y, tout, tout, y a beaucoup de choses qui sont particulières on en avait parlé dans un apéro précédent où on disait bah voilà les meilleurs coachs les meilleures équipes passent de série en série mmh. dans ces conditions là de la bulle je crois qu'on peut le dire les lakers c'était la meilleure équipe et ils sont passés ouais et 3 fois 4 le 4-1 est peut-être un poil sévère pour les Nuggets qui se sont vachement bien battus. Ah, tout à fait. Le buzzer d'Anthony Davis, franchement, ça peut très bien être un partout cette série. Ah, mais tu si tu reviens sur la série, tu tout à fait, es mais Denver, tu peux te dire, bon, bah si on avait fait des ajustements, il pourrait y avoir. Des ajustements, chose. ou tu vois, je sais pas, moi je suis dans TV Davis, s'il rentre pas, t'as un partout. C'est-à-dire, si Miles défend mieux, c'est ça Ouais, Miles si s'il gère mieux son truc. Enfin, il y a plein de choses, voilà. Ah, oui. Plein de petits détails qui font que euh, ce score est certainement un peu sévère pour les Nuggets, mais il, il reste assez logique. Euh, de voir les Lakers passer. Non, Alors. bien sûr. C'était les, les favoris. Il fallait faire le travail et c'est fait. Donc la dynamique est très très bonne et on aura l'occasion d'en parler en long et en large quand on fera la preview des finales à NBA. Nom de Dieu, cette phrase est magnifique. On pourra, oui, nous déjà voir comment est-ce que tu abordes ces finales. Mais là, tu as des gars en confiance, des petits pépins de santé en effet à régler. Le groupe est vraiment soudé. Tu vois que même si Vogel parfois a montré des ajustements qui nous faisaient un peu grincer des dents, notamment je pense que les gens l'ont vu euh, hier soir, il y a eu des minutes de Javel Magui qui étaient vraiment pas bonnes, les minutes non. de Kuzma oui, 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 qui étaient pas tip top, on a eu des minutes de Caruso qui sont très très bonnes, mais peut-être qu'il y avait plus de temps de jeu prévu pour lui. Enfin, il y a encore des. Tu as quatre jours pour que les mecs regardent un petit peu ce qui se passe à l'Est et préparent au mieux les finales NBA pour essayer d'égaler les Celtics en termes de titres remportés dans l'histoire de la NBA. Ah, C'est vrai qu'il y a ça aussi en jeu. Le 17 e pour les Lakers, que mine de rien. Est-ce que ce sera contre Boston Est-ce que ce sera contre Miami ouais. Tu me vois venir Bah, on va bien voir. Je me fais des allers ouais, contre la blanche. Ouais, ouais, Vas-y, fais-toi un aller. Bim transition. Planche. Et donc là, on va vous poser ouais. la question et on va en, en parler un petit peu ce soir. Donc, comme le disait Alex, game 6 entre Celtics et Heat. Ce sera une heure et demie. On sera évidemment sur les réseaux sociaux pour euh, ambiancer tout ça. Qui est le meilleur adversaire en finale pour les Lakers Donc, par meilleur adversaire, on veut bien évidemment. Pardon, merde. Bien évidemment dire euh, l'adversaire le plus abordable. Abordable, le plus, le plus intéressant pour les Lakers en termes de match-up, par exemple, individuel, en termes de match-up collectif aussi, puisque on va en reparler, mais on a deux équipes qui jouent très bien au basket, hein, le Heat et les Celtics, dans des styles différents. Ça rigole pas du tout. Il y a deux bons coachs, il y a pas mal de bons joueurs de chaque côté, ce qui te permet de, de, bah, de changer de système. Ça défend bien, ça attaque ça bien. Ça attaque bien, ça défend bien. Euh, offensivement, ça peut venir un peu de partout, des deux côtés, mine de rien. Donc ça, évidemment, euh... on en avait un tout petit peu parlé quand on avait fait un apéro là où, tu sais, ouais. on avait dit, moi, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Je pense qu'en termes de match-up défensivement le hit est beaucoup mieux armé à mon sens euh, que les Celtics pour défendre sur les Lakers mm -hmm. clairement puisque sur les deux stars des Lakers tu vas pouvoir mettre des joueurs sérieux mm -hmm. tu vas pouvoir mettre Adebayo sur Anthony Davis c'est sérieux au- ah bah delà Crowder et Butler derrière pour aller sur le sur le tu vois c'est sérieux bien sûr euh, après l'attaque du hit, ce qu'elle a montré jusqu'à maintenant c'est performant mais je pense que ça fait moins peur à la défense des Lakers que l'attaque des Celtics. Ah bah de toute façon, oui, je pense. Tout à fait. Mais de toute façon, c'est Ça, j'ai pas bougé là-dessus. Pareil sur le fait que Boston intrinsèquement a le plus de talent et tu peux avoir plus d'armes euh, imprévisibles. C'est-à-dire, tiens, on va avoir un Tatum gros game, un Jane Brown gros game, Marcus Smart, Kemba Walker, etc. Tout Même Gordon Hayward. Alors que là, avec Miami, on, on continue à être surpris. C'est-à-dire qu'on se dit merde. Tyler Hero, en fait, est-ce que c'est Clay Thompson euh, <laughs> Goran Dragic, en fait, est-ce que c'est Jerry West Et il y a tout le temps quelqu'un qui vient te sanctionner. On a vu Duncan Robinson faire des gros matchs. Donc le hit a continué en permanence, et on en parlera dans la, dans la preview à, à 19h30, de nous montrer l'inverse. Mais tu vois, par rapport à ce qu'on disait, j'ai plus le sentiment que ce serait Boston la match-up la plus facile pour les Lakers. Ch j'ai l'impression que je suis d'accord parce qu'ils ont quand, quand même, même. ont quand même un souci, quoi. Genre sur Anthony Davis, ils font comment en fait? Oui, et même, et même en armes, même, tout à souci, fait. bien sûr, mais même en armes pour défendre sur LeBron. Je veux dire, ils peuvent avoir des très bons défenseurs, en Engine Brandatum, etc. Ouais. Mais c'est absolument pas le pédigré de Butler et Godola et Crowder. C'est pas la même mentalité d'expérience. Mais euh, moi, pour moi, le vrai gros problème, c'est plus la raquette et Anthony Davis, parce que quand tu vois les perfs Bayo est capable de faire offensivement sur la défense de Boston... Et sans faire offense à Adebayo, joueur exceptionnel, hein. mais il est pas encore au niveau d'Anthony ah, Davis. Offensivement, Davis, si a... ça n'a rien à voir. Un des Adebayo par Orteil, offensivement. offensivement, voilà quoi. Donc là, il y a vraiment un souci parce que Ty, il va être plus petit, moins grand, moins rapide, moins ceci. Anthony Davis peut shooter de loin, hein. il mm. l'a montré. Enfin, il peut aller. Enfin, ouais. et en plus, les Lakers sont très grands de base. Il y a LeBron, c'est grand. kal Kuzma, mm. bon, même s'il fait pas trop ses playoffs, c'est grand. Magic Howard, mm. tu vois, genre, bien bien sûr, bien sûr. au rebond, enfin, il y a. Non, non, voilà. Ah, Alors, évidemment les, les Tatum mais les jeunes Brown aiment bien venir participer au rebond mais c'est pas donc du coup j'aurais tendance à être assez d'accord avec toi peut-être que le hit a une force collective ouais. et des pitbulls défensifs qui sont plus emmerdants pour les Lakers ouais. il y a de ça il y a à quelques microgrammes près mais en tout cas sur les playoffs je pense qu'on peut le valider la matchup des coachs c'est-à-dire que vraiment on félicite hein, ce qu'a pu faire Stevens. On félicite ce qu'a pu faire euh, Vogel, mais Spolstra, oh, Spolstra tu as l'impression là qui, quand même que ouais. dans une match-up comme ça, il pourrait dire genre toutes les cartes il sont connaît, possibles, imaginables. Il connaît bien le Bron. Pat sera le premier à vouloir ah, se bah, à dire genre va. fais ça, fais ça, parce que moi j'ai l'XP euh. pour pouvoir montrer que. Et je trouve aussi dans ce que là où vraiment Miami m'a impressionné, c'est la régularité dans l'effort. Boston, tu as des pics, de c'est très bien et c'est pas très bien, et un peu ça traîne des pieds et on se cherche. Alors que Miami, s'ils font des erreurs. Tant mort, on se réajuste tout de suite. Ils et donc sont... du coup, quand tu es contre une équipe de vétérans comme les Lakers, tu peux vite te faire punir, je trouve. Oui, je, 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 je suis, ça, ça je veux bien. Par contre, quand les Lakers tiennent le rythme, comme on l'a vu notamment dans ce Game 5 face aux Nuggets, mm -hmm. qui tiennent le rythme, et qu'ils obligent l'équipe adverse, qui lui, qui lui enlève quasiment toute possibilité de transition, mm -hmm. qui l'oblige à jouer sur demi-terrain et tout. Là, le talent des Tatum, Walker, Brown peut beaucoup servir, alors que le hit ah bah. va devoir s'en remettre à Butler ou un peu à Dragic. Dragic tout à fait. Mais autour, on verra. Il y, y a des joueurs capables et tout. Mais là, en tout cas, je trouve que le danger est plus identifiable ah oui, oui, oui. Euh, dans ce genre de circonstances. Pour les Lakers, n'oublions pas que les Lakers, on verra quelle équipe il y aura en face. Donc, on fera une preview des finales. Mais tu vois, on disait, on dit ouais, ils ont Crowder, ils ont Egodola, ils ont Butler à mettre sur les Browns. C'est vrai enfin euh, les Lakers ils ont du Danny Green du Caldwell Bob pourquoi pas du LeBron à mettre sur Butler ils ont de la protection de cercle oui tout à fait de, la mais vraie... mais de toute façon donc, on en fera coup, la prévue, ça... hein, ce sera sur le shoot externe notamment que ça reste sur vrai. demi terrain ah ouais. ça sera très intéressant euh, si c'est le hit c'est l'exécution hein, aussi et si c'est Boston c'est vrai que Boston a plus de talents individuels et donc est une match-up complètement différente pour moi c'est vraiment la raquette de Boston mm. qui me fait pencher euh, pour euh, pour, hit, pour hein. dire que voilà que le hit est plus chiant et que donc Boston serait au conditionnel, hein, parce que là, attention. Faut la réaliser, meilleure match-up pour les Lakers. Ça. Ouais. Et d'ailleurs, le chat a l'air plutôt d'être d'accord. Euh, ceux qui sont en direct évidemment avec nous euh, là sur Twitch et ceux qui nous regardent en replay. J'ai l'impression qu'il y a remettez juste un petit peu vos, vos messages par rapport à ça. Quel adversaire... quel meilleur adversaire en finale J'ai l'impression de ce que j'ai vu un peu que c'était surtout Celtics par rapport à Miami, euh, avec tout ce qu'on vient de tout ce qu'on vient un petit peu de développer. Ouais, c'est ça, c'est plutôt Celtics. Celtics 100%, C'est très Celtics. Celtics en tout cas la meilleure. Ça serait la meilleure match-up. Ouais. C'est ça. Et puis de toute façon, la série le montre et les playoffs le montrent. Hein. On a vraiment une équipe de Miami qui jusque-là a montré que bah ils pouvaient prendre n'importe quel challenge. Et c'est parti. On va prendre les pronostics par exemple de Bastien et d'Alex et on va les mettre dans la poche arrière. Voilà, c'est ça. C'est pas encore fini là sur ces. C'est pas encore de... fini. Donc, on va en parler. Tout à fait. Euh, on a pas mal parlé de nos amis les Lakers. On a pas mal parlé de tout ce qui se passait jusque-là dans, dans, dans leurs playoffs. On va juste se pencher quand même sur une équipe qui ça y est, est désormais en vacances. Les Denver Nuggets. Euh, full innovation Applaudissements. Pour ces Nuggets qui nous ont offert des playoffs 2020 extraordinaires, vraiment déjà comme on l'a écrit aujourd'hui, euh, on ne pourra plus revoir les 3-1 lead de la même manière depuis qu'on a eu ces playoffs de Denver. Ah bah Quand même, tu as eu le Jazz et les Clippers euh, avec qui tu es revenu alors que tu étais mené 3-1. Euh, faisons le point un peu sur Denver parce que tu sors là un peu triste. Tu l'as dit, tu peux revenir sur la série et te dire merde, même Jamal Murray qui était blessé hier. Tu sentais qu'il était à, à 30-40% Il a joué sur une patte. C'est ça, il a vraiment joué sur une jambe. Maintenant, quel bilan un petit peu dessiné et comment aborder la suite What's next pour nos amis du Colorado bon Déjà, quel play-off ouais. Avec des points d'exclamation. Quel play-off ah, Bien sûr, voilà. Euh, on avait fait un apéro ici sur ce même canapé. Il y avait 3-1 pour le Jazz, on a dit putain mais qu'est-ce qu'ils fout les nuggets Et Jokic, est-ce que c'est vraiment un franchise player Et Murray, ouais, c'est bien de cartonner mais faut défendre mon grand et ainsi de suite, tu vois. Mm -hmm. Bon. Ils ont avalé le Jazz derrière. 3 trois, trois victoires de suite, bim, gagne 4-3. Avec des beaux ajustements, on Avec avait parlé de tout à très fait. Beaux ajustements. Avec du Michael Porter, Jeremy Grant, Gary Harris qui Et du gros niveau de jeu offensif, oh. mouvement de balle et tout. Contre les Clippers et ils nous ont fait un comeback que moi j'estime, même si c'est évident que les Clippers euh, ont choc et ont fait les cons. Moi j'estime c'est un immense comeback, genre revenir comme ça face à cette équipe où il y a Kawhi Leonard dedans, il y, y a des joueurs très forts et tout autour, où ils ont vraiment dominé avec des comebacks au game 5, au game 6, avec un game 7 plutôt bien maîtrisé. Enfin vraiment. Ouais, c'est. Pour moi, ils ont passé un cap. Mental. Quand ils ont hein. fait ce comeback Putain. face aux Clippers, ils ont passé un cap mental. Ils ont passé un cap en tant que groupe. Mac Malone, voilà. il a passé un cap avec son groupe. Jokic aussi, il a pris ses responsabilités. Je veux dire, la série de Jokic contre les Clippers, on avait dit, ouais, ils sont pas assez grands en face. faut que Jokic domine. Il fallait, Bam, fallait bah, le Serbe. Il est arrivé, il les a, Tout à fait. Il les a massacrés. La, la grosse surprise, c'était vraiment, je pense, pour beaucoup de monde, Jamal Murray. C'est-à-dire que tu savais que c'était un joueur de talent, ouais, fort. Là, qui là, nous avait tu montré. Une star, tu nous avais montré en saison régulière que tu étais capable d'avoir des gros coups de chaud. Ce qui est fort, c'est que quand tu vois les propos de Malone, de Jokic et de tous les coéquipiers, eux ne sont pas étonnés. On l'est tous parce qu'évidemment, quand tu es à, sur les playoffs, il y, a quoi il y a quasiment 20 matchs de Jalmeret et à 27 points de moyenne avec une régularité vraiment dans la production, une meilleure gestion de ton des très très gros cartons, tout à fait. Des pourcentages, je vous laisse regarder, c'est absolument indécent. On est sur du Steph 2016, hein, autant sortir le hashtag. Euh, Jaal on, on voit dans chaque playoff une espèce de. de, 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 de Personne parfois qui est un peu inattendu et qui passe un cap. Est-ce que on a cette espèce de naissance d'une vraie star ou est-ce que c'est quelque chose qui va être isolé à la bulle d'Orlando et on va retrouver ces espèces de montagnes russes qu'on a eu parfois avec Jamal Murray par le passé. Moi c'est une vraie question tu vois. Bah ça va aussi, oui ça va dépendre de lui individuellement. Ça va dépendre aussi de comment Denver évolue en tant qu'équipe. Euh, ce que tu viens de dire ça peut être valable pour Denver aussi quoi. Est-ce que Denver par exemple la saison prochaine en imaginant qu'ils gardent pas mal de leurs choses, qu'ils en ont pas mal sous contrat. Finalement, je veux dire, euh, Murray, Jokic c'est sous contrat, euh, Michael Porter Jr. c'est sous contrat, Gary Harris, si tant est qu'ils veulent le garder, c'est sous contrat. En fait, tu as et Plumlee à gérer. Et Jérémy Grand qui va opt-out. Jérémy qui va sûrement opt-out. Mais tu as les moyens qui... de le convaincre. Oui, tout à fait. Tu as les moyens de bien le sûr, convaincre. Bien sûr. sûr. Y a pas de... Après, il peut s'en aller. Hein. Mais si tu lui dis gros, ah bon, ouais, tu voudrais ça et tout, mais attends, t'as vu, c'est compliqué, la crise financière, nia nia nia. Reste avec nous parce qu'on a un vrai projet sportif parce qu'il ne faut pas oublier ça. Hein. Toutes les équipes vont avoir le même problème. On n'a encore aucune nouvelle concrète de combien va être le salarié cap pour la saison prochaine. Ah, je peux déjà vous dire un truc, je ne suis pas analyste financier, ça va être moins élevé que cette année. Hein. Bah, déjà, oui. Et puis, euh, ouais. Donc, on va, quand on va tu serrer fais... un peu la ceinture, tout à fait. Ils vont, ils vont, ils vont avoir tu... des vraies des décisions, tout à fait. À et là-dedans, effectivement, il y a Murray qui, lui, va devoir. En gros, Murray, c'est quoi Il doit nous montrer qu'il est capable, peut-être pas de jouer comme dans ses playoffs sur euh, toute l'année, parce que c'est compliqué, mais qu'il est capable d'être genre. Ok, c'est qui le All Star C'est euh, Stephen Curry ou c'est Jamal Murray en fait Ah ça, bah, ouais, j'exagère un ouais, bien peu, vous voyez c ce que je veux tout dire fait. En fait, c'est Lilard la... ou c'est Murray ben, C'est ça, c'est la case hein des stars. C'est-à-dire que est-ce que maintenant Jamal Murray, qu'on mettait ouais. au rang allait peut-être B ou C, on va dire ok, donc je euh, des ouais. Westbrook, Jamal Murray. Enfin, c'est des phrases ouais. qui étaient imprononçables et, il y a et, quelques et mois. Tout à fait. Quand tu mets des Lilard, des Westbrook, d'autres meneurs comme ça, mais jamais Murray encore. avant. Tu le mets pas encore. Je suis d'accord. Et vu dans les guards évidemment toute la bataille qu'il y a, je pense qu'on peut s'attendre. Tu, tu soulevais là le point de Denver. Qu'est-ce qu'ils vont donner à la saison prochaine Évidemment, il va y avoir des, des choix à faire. S'ils si sont deuxième de l'Ouest et qui ou premier ou deuxième. Enfin, tu vois qu'ils sont bien, qui s'envoient les victoires, ils envoient les victoires. Pourquoi il y aurait pas Jokic et Murray de All-Star à Denver C'est ce que j'allais dire. C'est que normalement, Denver, tu peux t'attendre si tu as la base Murray, Jokic et Malone qui sont donc sous contrat, tu peux t'attendre en ayant des pièces additionnelles à ce que cette équipe soit encore hyper chiant à jouer, hyper collective. Le cap qui passe mental là est très fort. Parce que quand ah tu reviens deux fois 3-1, je m'en fous qu'il n'y ait pas de public. La saison prochaine, tu vas dans n'importe quelle salle, n'importe quel contexte. Tu te regardes dans plein troisième quart, tu fais, on est à moins 17. Les gars, on a connu Pierre. Bah oui. On a, on a déjà fait. On est bien on, a, on, est, on est dans notre rythme. Ouais. <laughs> on est capable de revenir. Et ça, pour, pour des petites équipes, c'est vraiment un gros step. Maintenant, il y a... Il y a cette interrogation sur le fait que est-ce que tu as vraiment deux jeunes superstars ou est-ce que tu as deux jeunes joueurs vraiment de talent, dont une superstar Et est-ce que ça va donner envie à des joueurs de venir rejoindre les Nuggets Parce que là, le sex appeal de Denver, ça a jamais été trop une destination de free agency vraiment très très grosse. Mais il y a parfois des franchises comme ça qui montrent que, les gars, si là on rajoute une pièce, on peut aller en finale NBA en fait. Bah ouais, ouais. Salut Bradley Bill, comment ça va David Booker. <laughs> Devin Booker Mais non. Il est, il est dans une équipe aussi forte. <laughs> non, mais non, bien mais sûr, à chaque fois, on s'en prend Et d'ailleurs, est-ce que Denver va avoir envie d'être agressif sur le marché des transferts là Ou est-ce qu'ils ne vont pas plutôt se dire Attends, 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 on garde Gérard Migrante Maïs Plumy, tu veux prendre le petit contrat pourri ou pas Non, tu n'en veux pas Bah, tu dégages. Moi, je pense que c'est Gary Harris qui va s'en sortir. il le... il est capable de signer pour pas cher. Gary Harris va sentir la, la chaleur sous son Donc ciel. Donc après, il y a un trade autour de Gary Harris ah, potentiellement. Ouais, ouais. Pour Tenter d'améliorer l'effectif, franchement, potentiellement, est... et c'est pas contre Gary Harris, hein. il apporte défensivement, etc. Mais là, là, quand tu es en finale de conférence et que tu commences à te poser des questions sur des minutes de PJ Dozier et, et Gary Harris, là c'est chaud, dire que tu payes le prix de Gary Harris, mais en fait pour une production qui n'est pas forcément celle que tu veux. Après, évidemment, il y a d'autres choses, hein. cohésion d'équipe, intrinsèque, etc. Tu n'as pas envie de... de tout chambouler, et voilà. Et Gary Harris a un profil. Euh, sans ballon défensif, mmh. qui en fonction de l'évolution de Murray et Jokic, peut être très intéressant. C'est-à-dire là, on rigole avec des Bradley Bill, des Devin Booker ou des je sais pas qui. C'est les mecs qui ont besoin du ballon. Donc t'as déjà Jamal Murray, Yoki. Tu vas quand même pas faire jouer Yoki. Je lui fais pas jouer sans ballon. Je suis désolé, c'est un sacrilège. Et Murray, il doit pouvoir être capable un peu, mais c'est un peu dommage de pas lui donner non plus. À Donc fait. après, t'as un équilibre à trouver en fait dans ton groupe et comment tu le fais progresser. Est-ce que c'est l'ajout d'une troisième star ou est-ce que c'est consolider la, le niveau de qualité des role players autour de ton duo de stars Ça, c'est un vrai questionnement que va devoir ouais, avoir ouais. le management des Nuggets là. Tout à fait, management qui a évidemment bougé, comme vous l'avez vu, les Bulls sont en, sont en extase. Je sais pas pour Novan mais en tout cas les Bulls sont en extase depuis qu'ils ont pris Carney Savas. Après, tu sais parfois des hommes dans différentes situations. On en reparlera parce qu'on sait que les Bulls ont été aussi dans l'actu. Un des à moment, ou un autre, on fera des previews de, de saison. À un moment, hein on fera des previews de saison. Voilà. Il y en aura peut-être. On en parlera à ce moment-là. Dans l'ordre, etc. Ouais. Il y a des sections ouais. que vous ouais. connaissez. Ouais. Ouais. Euh, un des points là que tu, tu mentionnais et, et évidemment, je pense que c'est une des grosses interrogations pour les fans de Denver, c'est OK, on a une marge de manœuvre assez particulière, mais est-ce que on met absolument tout notre laboratoire sur Michael Porter Jr. Et on essaie de voir comment est-ce que ce mec, en fait, qui est un talent extraordinaire, peut devenir ce mec formé euh, sur place et qui peut en fait régler tes soucis de recrutement. Ça, c'est vrai que dans l'absolu, ah, là, ce qu'on a vu de Michael Porter Jr., ça peut quand même donner une petite érection du côté du management de Denver à se dire « Mais dis-donc, 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 en fait, notre euh, troisième euh, gros, gros gars offensif, peut-être qu'on l'a, en fait. » Peut-être que, ouais, en fait. peut que si on se focus vraiment... Il est là en fait. Bien sûr. Peut-être que si on focus vraiment pour lui rapprendre au moins les quatre premières règles importantes de la défense au basketball. <laughs> ah et oui. Ah ça... Parce que mais, ça va être important, parce que sinon, dans la NBA actuelle, tu deviens vite ciblé et injouable. Ouais, et puis t'as vu, Malone, il l'a fait en playoff, là, du coup, il l'avait titulaire au début, puis après, dès la série, dans la série contre le Jazz, un micro. <laughs> il a fait, bah non, désolé, Michael. Merci, bye. Je vais arrêter de t'appeler Michael, je vais t'appeler Michael en fait. Ça. Tu vois Et puis d'ailleurs le gamin sorti de banc, il a plutôt fait le taf. Hein, ah, mais bien sûr. Dans l'ensemble, c'est chiant, un mec comme ça qui sort du banc, là, qui a peur de rien, qui s'en qui est capable de scorer ouais. sur n'importe quel type de défenseur parce qu'il est grand, il a du handle et du shoot. C'est ça. Donc, ça peut aussi être ça, Michael Porter Jr., ça peut être la saison prochaine. Dans l'absolu, tu as aussi le retour de Will Barton, on n'en a même pas parlé. Bien sûr. Ils ont fait ça sans Will Barton, qui est quand même un mec qui fout 15 points par match. Mm. Donc, euh, tu vois, avec de l'énergie euh, et tout, qui amène un style complètement différent de, du jeu de Murray Yokich, donc c'est assez intéressant. Tu peux avoir Michael Porter Jr. qui devient le sixième homme attitré d'une grosse équipe de, de, de NBA. C'est ça. Dans un premier temps, tu vois, en attendant plus. Il bah, y a une équipe qui était très jeune en début de décennie dernière, euh, qui jouait avec un vrai style universitaire de copains qui s'entendent bien, avec une star en sortie de banc, et qui était en finale NBA en 2012. Mmh. Je vois pas de quoi tu parles. Ça avec existé, un barbu et un iroquois. <laughs> Mais je veux dire, je souhaite tout le bonheur du monde à Denver qui puisse ah, aller en finale NBA va. comme euh, le Thunder a pu le faire aussi. Mais on a tout à fait des exemples comme ça. Est-ce que Michael Porter Jr. sera lui aussi le premier à vérifier, à accepter un rôle de sixième homme À il, vérifier. Il faut monter. En tout cas, là, pendant pouvoir. les playoffs. Bien sûr Il a fait le kéké Un moment en conférence de presse Et tout On n'en a pas réentendu parler Ça n'a pas empêché Denver De gagner des matchs C'est au milieu de la série Clippers là, Où il a dit Oui je dois avoir plus de ballons Et tout C'est ça oh, Il est sympa Jokic Mais bon quand même Filez-moi les ballons <laughs> Ça monte le mindset C'est quand même un peu <laughs> ouais, Bien sûr Mais bah, C'est ce qui fait Qu'il en arrive là aujourd'hui C'est ça Mais son talent est indéniable C'est ça Et il en a plus que Gary Harris Pour moi en attaque hein, Je parle euh, même Will Barton, franchement, moi mais... je pense que je prends Michael Porter Jr. tous les jours, offensivement parlant. Non mais il y a que Pour moi, c'est le numéro 3 en fait. Bien sûr, il y a que Jokic et j'aimerais qui... En fait. eh Déjà... qui peuvent, ne serait-ce que discuter offensivement. Mais même Michael Porter Jr. peut-être que dans deux ans, il va faire genre, je t'adore, Nico Ch Jamal aussi. Je vraiment, on est des bons potes. Hein. Mais en fait, ce que je disais, il y a deux ans, c'était pas de la merde. Donnez-moi les ballons et en fait, offensivement, c'est la meilleure option. Comme ça, on est meilleur. Ouais. Parce que même trois mains dans la gueule, en fait. Je... À, à lui de prouver. Ouais, c'est ça. À lui de prouver qui peut Michael Porter Jr. par exemple la saison prochaine. Est-ce que Michael Porter Jr. la saison prochaine, si mettons il est dans Mike Malone fait un peu comme je viens de dire, c'est-à-dire il le fait sixième homme attitré. Mm -hmm. Donc Michael Porter Jr. 28, 30 minutes, tu vois en sortie de banc toute mm -hmm. la saison là est ce qu'il peut foutre 18 points par match. Ah mais match, il peut foutre 20 points de moyenne mais bien sûr. Ah ouais. que du coup, c'est attention d'enver à jouer. Ah bah ouais, ouais c'est très <laughs> relou. Mais oh là là, très très chiant à jouer là. Mais tu suite. peux mettre tes 18 20 points et tu peux aussi te retrouver dans une situation où écoute, Michael en fait, là, là, il y a égalité. On est dans le quatrième carton. On ne peut tu pas, te pas te faire jouer. On ne peut pas faire jouer ce qu'il y a à Backdoor. Parce que, voilà, ouais, parce qu'en en fait, <laughs> là, là, les Warriors, ils ouais. sont en plein temps mort et ils ont fait prochain <laughs> système, vous ciblez MPJ. On cherche le Switch. Tout à fait. Vas-y, du... Wiggins, attaque ça. Michael Parker. Attaque le, le plus agressif des deux. <laughs> il y aura Bol Bol aussi, évidemment, à surveiller parce que c'est un des ouais. projets euh, Projet à laboratoire aussi, Tout à fait. Moi, j'aurais bien aimé qu'il ait un petit peu de minutes expérimentale. Le petit Monté on n'en parle quasiment jamais de Monté mais il a un encore une année en non-garantie je crois mais ça coûte tellement que dalle que je, je vois pas les nuggets ne pas le garder mmh. euh, et c'est bien d'avoir un mec comme ça aussi en sortie de Banfazer ce ouais. qu'il faut bien dire aussi c'est que c'est vraiment le groupe nuggets qui a progressé ouais. pendant ces playoffs Il faudra, ouais, tout à fait. Il faudra voir comment est-ce que tu peux remplacer peut-être un mec comme euh, Plumlee euh, dans ta rotation. Ils ah, ont... Ça se remplace sans problème. Hein. Ça peut se remplacer sans problème. Surtout que Plumlee, euh, j'ai pas son salaire sous les yeux, mais je crois que c'est 14 millions qu'il prend cette année ou un truc comme ça. Hein. Oui, ouais, certainement. Mais c'est pas rien. Hein. Tout à fait. Après, il a été pas mal critiqué sur les playoffs. Ne pas non plus nier le fait qu'il a été tellement important et fondamental dans la réussite de Denver tout au long de la saison. Certes, il fait des boulettes, mais il a aussi été tellement solide euh, au quotidien pour Denver quand il y avait certains matchs où peut-être Jokic était en souci de faute, tu avais Plumlee qui impactait. Donc non attention à surveiller ça. Je dis pas qu'il est mauvais, hmm. je dis juste 14 millions, est-ce que tu pas mieux à faire ouais, tout à fait, tu il vois. Bah, peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait bol bol en a les deux, voilà. Il va y avoir des il va y avoir des décisions très intéressantes et tout ça sous les mains d'un coach qui peut être critiqué pour certains choix mais qui a quand même montré sur cette bulle que c'était le vrai directeur chef d'orchestre d'une équipe qui allait dans long quoi. Ouais, ça fait ouais. vraiment plaisir. Ça fait plaisir hein. Félicitations Denver. Il va falloir bien se reposer, recharger les batteries et ouais, en même temps, ils ont le temps. Hein, parce que la prochaine voilà. saison, euh, ils ont le temps de voir venir là. Tu connais le printemps ouais. <laughs> Vous voyez mars 2021 ou quoi Tu, tu connais le printemps ouais. de Bourges <laughs> Ça va être un peu compliqué. Voilà pour nos amis de Denver. Euh, évidemment, juste je, je 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 revenais juste un petit peu pour pour finir sur nos amis de Los Angeles. Mm -hmm. Parce qu'après, on va prendre des questions évidemment pour en parler, mais de la Cité des Anges. Tout à fait, de la Cité des Anges, des Angelinos. Euh... Le, le script est idéal, là, au-delà au, au d'être dans le côté de la narration, narrative, etc., qui, qui tend la perche à tout le monde, mais le script semble quand même assez idéal, là, pour Lebron. Il n'y a plus que 4 matchs à aller gagner, à, à remporter pour remporter une quatrième bague, dont 3 dans 3 franchises différentes. Tu, tu sens qu'il est, qu est vraiment en mission, et que même quand il y a des matchs qui sont un peu loupés, Ouais, des qui sont loupés, tu sens qu'il y a... Il y a quand même un Eddie qui fait du bien et d'autres gars qui sont autour. Il y a Edi et Rondo qui ont grave fait le taf. Il y a les Lakers d'un point de vue global qui ont été capables aussi de quelques très bons passages défensifs mm -hmm. pour masquer euh, parfois quand ça rentre pas le shoot extérieur. C'est-à-dire que bah ils arrivent pas trop à marquer Est-ce qu'en face euh, les Nuggets étaient, étaient vraiment bien organisés en défense, sauf que bah, de l'autre côté en fait, les Nuggets ne marquent pas non plus. C'est ça. Et ça, ça c'est une des grandes forces des Lakers. C'est pour l'instant quoi qu'il arrive. Ils ont toujours su répondre en dominant aux défis proposés par l'adversaire. Tout à fait. Toujours. Genre, on a vu Howard et McGee, ils n'ont quasiment pas joué contre les Rockets. Là, par contre, ouais. Howard, euh... Dwight, vraiment on trop lui a dit Tu vois le gros Serbe là Allez, vas-y. Ouais. vas-y. Ouais. Vas et, et, hyper... que... et ce sera hyper intéressant sur la, sur la série suivante parce que as un... tu as envie qu'un Dwight il ait un impact comme ça. Donc... Bah, si tu as des Bayou en face, t'as pas envie qu'Anthony Davis soit tout le temps dessus en défense. Tu as envie d'avoir du Dwight dessus. C'est ça. Clairement. Pour bon, batailler au rebond et tout, expérience, tout à ouais, ouais. fait. Et que Dwight, il dise comme il l'a fait. Parce que tu avais l'impression aussi que Dwight avait pris certaines choses personnellement. Euh, là, sur, I took sur it la série. personally, il a dit Dwight. Euh, il a regardé ouais. son iPad comme ça, il a fait euh, I took it personally. Évidemment, parce que l'autre, en plus, c est, c est, son caractère, il fonctionne comme ça. Mais là, tu avais l'impression qu'il voulait vraiment rentrer dans Jokic. De savoir que potentiellement, tu as un des qui rencontre Dwight. Je pense que Dwight sera le premier à dire aussi c'est bien, t'es ouais. athlétique. T'es all-star. Tu mais touches tu le corps avoir... des 24 ouais. Mais j'ai été trois fois défenseur de l'année. Ah, en fait. Donc grave. si tu veux l'être déjà une fois, tu vas, voir, tu vas prendre que six rebonds en fait. C'est ça. Enfin, en tu vois, je sais pas, mais tout à des stats au hasard, ou mais Une vous petite technique compris. ou en fait ouais. tu défends bien parce que Dwight sera hyper important là-dessus. C'est beau de voir le comeback de Dwight qui est ponctué là après son, son, son retour donc chez les Lakers. Tu sens que voilà, il y a pas du tout d'histoire euh, extra sportive. Il rentre dans le moule quoi. Et un mec comme ça, bah qui, il bah, est dans le top Dwight 100. Dwight quand Howard, euh, il a pas de bague hein Non. Donc, euh, bah, ça l'intéresse je pense, hein, d'avoir ça dans son petit palmarès. C'est la mission. Hein, je pense que Rajon Renault, une deuxième bague, il dirait pas non. Gérard non plus. Anthony Davis, bah, c'est pas compliqué. Là, euh, ça fait trois tours, il découvre. Hein. Enfin, il découvre. Je veux dire, il était jamais allé avant. Donc, euh, bah lui aussi, il a envie. Enfin, tu vois, genre en fait, on dit les Lakers, beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. Il ouais, surtout LeBron James, qui a énormément d'expérience en playoff. Plus Dwight, <laughs> qui a quand même fait des beaux playoffs. Hein. Ouais. Et, et Danny Green On oublie à chaque fois Danny Green mais Danny Green, bah je rappelle qu'il s'est déjà pris pour realen Allen lors de match de finale NBA. Hein C'est ça. Hein parfois, tu lui as lancé quelque chose. Hein moi, je, je ne voilà. D'ailleurs LeBron que il en sait quelque chose aussi puisqu'il était tu... en face. Je ne hein vois pas de <laughs> quoi tu parles. Donc non non. Là-dessus évidemment il y, y a tout un truc qui fait que ces vieux entre guillemets Lakers, ces vieux Lakers expérimentés, ouais, bah ouais, genre s'ils ont pas la bague au bout. Nous, on sera là, on dira Ah, ils ont déconné et tout, ils étaient favoris, ils ont pas fout été foutus des champions. Et eux, ils seront dégoûtés. C'est ça. Ils jouent pas autre chose. Non, c'est sûr. Voilà. Euh, petite question à poser, évidemment, pour terminer. Et après, on va prendre les vôtres. Euh, il existe un scénario dans lequel on a aussi, et vu qu'on en parlait avec certains match on ne sait pas encore qui les 15 vont affronter. Mais tu peux avoir un scénario dans lequel aussi Anthony Davis est le MVP des finales. Parce qu'il va. Il va vraiment montrer sa, 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 sa présence. Est-ce que. Si c'est les Celtics, euh, Anthony Davis, il peut être MVP des finales, ça c'est clair. Fait. Il peut faire vraiment des grosses stats. Hein. Ou même les 28 autres franchises de NBA. Ouais, mais toi, le hit, c'est quand même un peu. Mais le hit, c'est pas des même. Bio, quand même. Ah, bien sûr, le, sûr, sûr, moi, sûr. perso, le duel à des baillots anthony Davis, je veux bien voir ça sur une série de finales Ah non, mais, mais Anthony Davis-Daniel Tice, c'est confession intime. Hein. Ah. C'est zone interdite. C'est hein. pas pareil quand même. Hein C'est rendez-vous le dimanche 21h. Alors, 21 alors, alors qu'à des baillots, je veux dire, euh, OK, sûr. Anthony Davis est un ouf, ouais. mais à des bio, il est capable de prendre le challenge et de faire OK, tu as fait quoi Tu vas voir. On va s'occuper de toi. Ouais. Euh, du coup, on va prendre quelques questions et y répondre tout de suite. N'hésitez pas à en balancer ceux qui sont en direct avec nous. Je rappelle qu'après, il y aura une petite pause et à 19h30, on parlera de la série entre Boston et Miami. Game 6 ce soir à 1h30. Euh, qui peut embêter le plus Lakers entre Celtics et It et Bien, on vient d'en faire une section complète. Ouais. Donc, je t'invite à regarder le replay, le replay tout à l'heure qui arrive. <laughs> c'est ça. Euh... Est-ce qu'une bague de LeBron James peut. C'est quoi C'est des rapports laisse -moi, au top 100 Laisse-moi deviner ça, pouvoir... la fin de la phrase. Ouais, 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 on va pas pouvoir répondre à Dwight Howard avec une bague, il passerait combien dans votre top 100 Alors ça, on va pas faire non plus que des questions réponses sur le top 100 mais c'est vrai que... vrai que Dwight, s'il chope la bague, en plus avec le comeback qu'il a fait là, est cette beau, année euh, à titre personnel, plus là l'adaptation qu'il a lors des playoffs. Il faudrait voir où on l'a mis et comment on l'a positionné. Il mais... était dans des places 90 à 100. Donc peut-être que tu gagnes 6, 7 places et que tu passes devant des gars qui n'ont pas peux de Peut-être que tu peux aller gratter des gars. Hein. C'est ça. Et qu'on le retrouvera évidemment au Hall of Fame. Euh... Je n'ai rien d'autre question. C'est vrai qu'il y a un aspect peut-être de titularisation aussi de Dwight. On l'a vu là être titulaire hier soir. Est-ce que, je pose la question, est-ce que Dwight serait potentiellement titulaire Face au Hit ou au Celtics en, en, en finale NBA plutôt que Maggie qu'on a vu souvent. Je euh, pense qu'il démarrera la série euh, avec Maggie mm -hmm. et il s'adaptera après. Je pense. oui Si c'est le Hit, il est capable de foutre, des, de foutre euh, Dwight direct pour, gérer, pour jouer à des Bayou. Ouais, hein. C'est possible. Hein. clair euh, Alex Caruso, qu'est-ce qu'on en pense bah, Bon, moi j'en profite moi, pour je mettre qui fait des bons playoffs bien sûr. Moi j'en profite pour mettre les points sur i et les barres sur les t. Il y a des anciens et des anciennes qui sont soit en train d'écouter le replay soit en live et qui ont déjà connu un marathon il y a 3 ans où on parlait de Alex Caruso et évidemment, il y avait le côté euh, dégaine Degen qui prenait le dessus sur le reste mais ça doit pas enlever le fait que ce mec est défensivement hyper important pour les Lakers. Ouais ouais, il puis... a un impact de fou. Et puis en attaque, en il, en fait attaque il fait pas trop choses. de conneries, ben, ouais, sûr, il est propre. Non non, ça va, c'est pas un joueur c'est pas, c'est un joueur de banc. C'est un joueur de banc que tu es content d'avoir. quoi. C'est ça. Donc, Caruso, c'est carré, comme on dit avant le Hall of Fame. Euh... Question côté Lakers qui défendrait sur Tatum et Brown En cas de finale, j'imagine. Hein. Oh, bah, bah. Danny Green, déjà, il s'en prend un des deux. Ouais, et puis tu peux T'as Pop, ouais. tu pars un peu de Lebron aussi. Hein. Ouais, tout à fait. C'est pour interdire mais franchement, ouais, c'est ça. Tu peux avoir Denny Green qui est plutôt sur du Kemba de Walker Kuzma, et... par rapport ouais, Bien pas, sûr, c'est pas idéal. Si Kuzma est en défense sûre et finissez la phrase, ouais, c'est chaud. chaud. Mais n'empêche que peut-être qu'il devra avec les rotations, on verra. C'est sûr. Euh, on verra si ça arrive. Euh... Qu'est-ce qui explique l'utilisation aussi abondante de la zone euh, J'imagine que ça fait référence au hit, puisque c'est quand même Spolstra ouais, euh, qui l'utilise le plus depuis le début de ses playoffs. Bah, Déjà, Spolstra, on sait qu'il aime bien surprendre, c'est-à-dire, genre tout d'un coup, aris, bim, bam, hein. boum, tout le monde est en zone. Que déjà. ce soit avant un match ouais. ou pendant un match, ouais, hein, ouais. il est capable. Aussi, il faut reconnaître que là-dessus, le hit a les joueurs parfaits pour jouer la zone. Ouais, parce que c'est ça, tout à fait. C'est la zone, quand tu peux défendre le mieux du mieux collectivement, c'est notamment la zone. Si tu es une équipe vraiment soudée qui communique bien, une zone, ça peut tout défoncer. Ouais. Une zone où les mecs ne communiquent pas trop et il y a un, un chaînon qui n'est pas très très bon, ça peut vite partir en couille. Moi je pense clairement que euh, Spolstra euh, avait euh, ce projet de zone et l'avait bien travaillé avec ses hommes euh, avant puisqu'il se doutait qu'il pouvait éventuellement affronter les Bucks notamment. C'est ça. Après il l'a tenté contre les Celtics, il a vu que ça marchait plutôt bien aussi ça donc pousse, ils en ouais. envoient. Mais clairement je pense que c'était clairement un truc cette espèce de zone semi-individuelle flottante, mmh. c'était clairement un truc pour Yanis et les Bucks à la base. Ça peut être le cas aussi pour les Lakers. Hein. Et exactement. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que les Lakers, on verra si c'est le 8 en finale, mais on en parlera sûrement. Tu peux avoir un hit qui a envie de faire de la zone pour se dire, bah, tu sais quoi, si c'est Kentayuska Canal Pop, qui doit nous battre à trois points, bah c'est so au beat. Exactement, parce qu'en plus les Lakers ont montré quelques montagnes russes dans leur réussite à distance, donc ce sera à surveiller. Question, quelle chance de voir cet effectif des Lakers stresser le même l'an prochain Ça c'est vrai qu'il faudra qu'on l'aborde et qu'on voit ce que ça va libres. Euh, il y a des grosses on en questions. On est pas là. Ouais, non, non, ouais, on n'en est pas là, mais, mais on a l'occasion de s'y pencher parce que c'est vrai qu'on le disait avant de démarrer l'émission, il y a un côté aussi, allez, on y va avec ce groupe, c'est maintenant. On remporte la bague et on discutera tout ça après parce qu'il y aura des vraies grosses décisions dans le management. Euh... Une petite dernière question, si tu en trouves une. Euh... Jokic est-il le meilleur pivot de la ligue Oui. Euh... Est-ce que le hit peut minimiser l'impact de Eddie Lebron comme ils l'ont fait sur Gannis Tu peux essayer. C'est mais... compliqué. Hein. Mais là, déjà t'as deux joueurs. Et ouais. déjà as deux joueurs. C'est-à-dire que Gannis, il est très très fort, mais il est très très fort. Pas comme deux mecs très très forts. Premièrement, et deuxièmement, il y a un mec qui s'appelle Lebron, on peut dire tout ce qu'on veut, mais l'autre, euh, si Strah joue aux échecs, mais Lebron c'est Kasparov. Hein. C'est ça. Tu vois, genre vraiment. Donc si tu mets de la zone, même si son shoot pas. On l'a vu là. là toi, et, il, aussi, hein. et, et il dit aussi. Et il dit pareil ça réfléchit bien rapport. ça s'ajuste bien c'est pas contre Giannis c'est le fait qu'il réfléchisse pas mais là là oh, là euh, c'est un niveau supérieur c'est en fait. ça c'est à dire que bah, LeBron il a à peu près l'expérience que Giannis aimerait rêver d'avoir en finale mi Il peut y, y liée, avoir une partie bon d'échec là en finale là, non, mais bien sûr entre Vogel LeBron Face à du Spolstra Butler ou du, ou du Brad Stevens avec des tattoos mais des Jalen Brown là ça peut être énorme exactement et la dernière question enfin je la prends Prono pour ce soir et eh ben c'est simple à 19h30 nous on va se retrouver euh, sur Twitch on change pas l'adresse on fait une petite pause pipi verre d'eau et ensuite on se retrouve à 19h30 pour justement l'émission spéciale Celtics Hit, un petit point sur la série, exactement du Game, game 6. 6, exactement. On vous fait plein de bisous et on vous donne rendez-vous euh, bah, tout à l'heure, j'ai envie de dire... Bah tout de suite, là, un quart d'heure, 20 minutes là. C'est ça, tout de, à tout de suite. Bisous. Ciao.